Bonsoir, donc moi c'est Louis-Marie. Je suis parti de Berlin Rénovation à Toulouse et j'ai deux camarades qui sont dans le public, Hugo et Vincent, et qui viendront témoigner sur leur engagement au sein de Berlin Rénovation. Petit sondage rapide, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Berlin Rénovation ici? Levez la main si oui ou non. Un, deux. Oh là là, c'est pas folichon, hein. Bon, ben du coup, c'est encore mieux que j'intervienne ce soir, ça va être utile. Berlin Rénovation, en fait, c'est ce qu'on appelle une campagne de résistance civile. Donc, c'est un mouvement qui a pour vocation à porter une revendication, qui est de demander à l'État de s'occuper sérieusement de la question du climat, autour d'une question qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Nous, ce qu'on demande, c'est rénovation de l'intégralité du parc immobilier français d'ici à 2040, et en faisant un focus sur les passoires énergétiques d'ici à 2030, et en prenant en charge l'intégralité des travaux pour les ménages les plus modestes. Alors là, donc il est 19h50, je vais faire en sorte de ne pas parler plus d'une demi-heure. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions, idéalement, soit vous les notez sur un bout de papier ou sur votre téléphone, ou vous les gardez dans votre tête si vous avez une bonne mémoire. Et sur la phase de, enfin sur le troisième temps où on fait questions-réponses, là je répondrai à vos questions. Comme ça, moi, ça me permet de dérouler assez facilement ce que j'ai à vous dire. Et ce sera plus simple. Est-ce que ça vous va? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, voilà. Vous parlez, c'est le premier temps. Pardon? Vous parlez, c'est le premier temps. Oui, ensuite c'est Claire qui parle. Et ensuite il y a question-réponse. Voilà. Voilà, donc Berlin Rénovation, c'est une campagne française. Pourquoi on dit campagne? Parce qu'on n'a pas vocation à durer dans le temps. C'est-à-dire que notre objectif, c'est, au travers des actions qu'on mène, faire en sorte de faire plier le gouvernement sur notre revendication. Et que du coup, bah, une fois qu'ils ont appliqué leur revendication, on disparaît et puis on réapparaît sous une. En portant une autre revendication éventuellement. On fait partie d'un réseau qui s'appelle A22, donc un réseau de campagne mondiale qui s'appelle A22. Pourquoi A22? Parce qu'en fait, l'intégralité de ces campagnes se sont lancées en avril 2022, avec comme point commun de toujours porter une revendication unique, avec une demande spécifique qui concerne la question climatique et qui est cohérente avec en fait le pays en question. Par exemple, en Angleterre, il y a la campagne similaire à Berlin Rénovation, s'appelle Just Stop Oil. Et Just Stop Oil, leur revendication, c'est de demander au gouvernement britannique de ne plus octroyer de licence pour l'exploitation de projets pétroliers et gaziers. Parce que le GIEC a dit qu'il fallait laisser le gaz et le pétrole dans le sol. En tout cas, plus de nouveaux gisements. Donc voilà, il y a 11 campagnes partout dans le monde qui sont en cours. Il y en a principalement en Europe, mais il y en a aussi aux États-Unis. Il y en a une en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et donc avec à chaque fois la même stratégie, une revendication unique qui est portée. Alors pourquoi une revendication unique? En fait, l'idée, c'est de dire on pousse une demande évidente parce que on sait qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir une victoire là-dessus, et parce qu'on aura obtenu une victoire, on va ouvrir une brèche dans laquelle il y a plein d'autres mouvements qui vont pouvoir suivre. Donc, pourquoi cette demande de la rénovation des bâtiments? Alors, c'est pas parce qu'on est foncièrement passionné par la question, même si elle est intéressante. En fait, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que elle est tirée d'une part de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, vous savez, il y avait Macron qui avait invité, ou en tout cas tiré au sort des citoyens pour qu'ils viennent pendant 3 mois réfléchir avec des experts sur la question climatique, et que derrière, il y ait des mesures qui soient proposées et qu'il était censé appliquer sans filtre, mais visiblement, il a oublié qu'il était censé les appliquer, et du coup, il n'en a appliqué aucune, ou en tout cas, il les a détricotées au maximum pour qu'elles soient le moins efficaces possible. Donc nous, on s'est dit, Macron l'avait promis, il ne respecte pas son engagement, on va quand même lui rappeler ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une mesure de décarbonation qui est très efficace, parce qu'aujourd'hui, on sait que le parc immobilier français, ça représente 20% des gaz à effet de serre de toute la France. Donc si on rénove les bâtiments, on consomme nécessairement moins d'énergie,
donc on émet moins de gaz à effet de serre. Troisième point, c'est une mesure qui est très populaire au sens où si vous allez interroger des gens dans la rue et que vous leur dites est-ce que vous êtes contre le fait de rénover des bâtiments qui soient en mauvais état pour que les gens puissent vivre mieux dedans? Si on vous répond non, bon, a priori, c'est que ces personnes-là ont un petit souci. Et puis en plus de ça, ça pose un vrai dilemme éthique aux autorités parce que en France, à l'heure actuelle, il y a 2900 personnes chaque année qui meurent avec un toit sur la tête quand même parce qu'ils vivent dans une passoire thermique. Ça coûte énormément d'argent à la sécurité sociale. C'est plusieurs millions, voire en fonction de la manière dont on calcule les choses, c'est plusieurs milliards. Et donc, il y a 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique, c'est-à-dire des personnes qui doivent choisir entre se chauffer ou manger en hiver. Et puis, les passoires énergétiques, c'est donc il y en a 3 millions en France. Et c'est globalement des logements où quand on chauffe dedans, ça chauffe dedans aussi. Donc, du coup, il ne fait pas si chaud dedans et vous comprenez le problème. Derrière ça, deux, trois chiffres rapidement. Ce que fait l'État pour lutter contre ça? Pas grand-chose. Ou en tout cas, c'est beaucoup de communication et pas beaucoup d'efficacité. Aujourd'hui, il y a différents dispositifs qui sont mis en place par l'État, des aides et tout ça, pour financer les rénovations. Sauf que c'est pas fait de manière, en tout cas, les rénovations sont pas faites de manière globale. Et donc, en gros, l'État communique sur le fait qu'il y a 700 000 logements par an qui sont rénovés, alors qu'en réalité, il y en a que 60 000. Et pourquoi il parle de 700 000 ? Parce que c'est des morceaux de rénovation. Par exemple, vous avez un chauffage au fioul. Vous le changez avec une pompe à chaleur, ben, eux, ils considèrent qu'il y a eu rénovation, alors qu'on a rénové juste un poste qui concerne la rénovation globale du logement. Et donc, à ce rythme de 60 000 logements rénovés tous les ans, il faudrait 1900 ans pour rénover toutes les passoires thermiques. Juste les passoires thermiques. Hein. Donc, vous comprenez qu'il y a un petit problème. Donc, nous, quel est notre mode de fonctionnement? Dernière rénovation, on est un mouvement de désobéissance civile non violente. Donc, ça veut dire qu'en fait, on fait des actions de perturbation, mais toujours de manière non-violente. Et c'est une stratégie en fait qui est toujours basée sur trois ingrédients. Le premier, c'est sortir de la peur. Donc ça veut dire être en capacité justement de faire des actions qui mettent un peu le bordel, mais sans faire mal à personne et idéalement sans se faire mal soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième ingrédient, c'est déranger. On vit dans une société où on nous a appris à dire bonjour quand on rencontre les gens, on met les mains sur la table, on prend pas la bouche pleine, machin. On reste dans le rang, en fait. Et sauf que aujourd'hui, on est dans une situation où, sur la question du climat et sur plein d'autres questions, si on reste dans le vent, on va très vite crever la gueule ouverte et ça va pas être cool, notamment pour les petits qui sont ici. Et le troisième ingrédient qui permet justement de faire en sorte que les gouvernements appliquent ces mesures de bon sens et qui en plus sont hyper bénéfiques à plein de niveaux, c'est de faire tout ça de manière non-violente. Et c'est hyper important. Parce qu'en fait, la non-violence, ça permet justement de montrer la violence de l'État dans le fait qu'ils sont inactifs sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, ça, en fait, ça permet aussi de mettre encore plus en avant la violence qui nous oppose au travers de la répression qui est proposée. Et donc voilà, ça, c'est notre stratégie. Déranger de manière non violente et pour ça être en capacité de dépasser sa peur. Comment on procède? Jusqu'à maintenant, on avait fait beaucoup d'actions de blocage de route. Alors peut-être que vous n'avez pas entendu parler de dernière rénovation, vous avez peut-être entendu parler de gens qui avaient bloqué le périphérique à Toulouse à plusieurs reprises à l'automne dernier, ou en tout cas d'autres personnes qui l'ont fait beaucoup à Paris. Et beaucoup, en fait, donc c'était principalement des blocages de routes et puis d'autres actions dites à haut potentiel médiatique, donc des interruptions de gros événements. Il y a eu l'interruption des Césars, il y a eu Roland Garros, la demi-finale de Roland Garros qui avait été interrompue par une fille qui s'appelle Alizée l'année dernière. Et c'est des images qui ont fait le tour du monde. Il y a eu plein d'articles et c'est vraiment ce qui nous a permis, en tout cas, de vraiment lancer la campagne entre guillemets pour de bon. Et en fait, il y a aujourd'hui un troisième type d'action qui se développe parce qu'on s'est inspiré de nos voisins. C'est ce qu'on appelle les actions de trashing. Donc en fait, on repeint des bâtiments publics
de manière à interpeller justement la population et les autorités sur le fait qu'ils sont inactifs. Et bon, encore une fois, c'est de la non-violence parce que la peinture, ça se lave, et puis les bâtiments, ils ont pas mal, il n'y a rien qui est détruit, tout va bien. Donc aujourd'hui, dernière rénovation en fait, donc c'est, vous l'aurez compris, c'est très jeune, hein, ça fait depuis mars 2022 qu'on existe. En fait, on avait envoyé une petite lettre à Emmanuel Macron en lui disant « Bonjour Manu, nous, ce qu'on propose, étant donné que t'as pas l'air de savoir comment trop procéder sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un plan de rénovation thermique des bâtiments. On te donne un mois pour nous répondre, pour savoir si oui ou non tu veux avancer avec nous sur cette chose-là. Et puis si tu réponds non, on voudra un peu le bordel. » Donc, sur la première phase, en fait, les premières semaines de la campagne, il y avait 5 personnes qui animaient des réunions publiques, donc des réunions d'information pour expliquer ce qu'on faisait, comment on le fait et pourquoi on le fait comme ça. Et puis, inviter les gens à nous rejoindre si ça leur parle. Ces personnes-là, donc ces 5 personnes, elles ont animé une soixantaine de réunions publiques. Ça a permis de recruter une centaine de personnes qui sont allées faire des actions, notamment Roland-Garros, perturbation du Tour de France aussi. Il y avait des gens qui avaient interrompu certaines étapes et justement Vincent nous parlera un peu de ça tout à l'heure. Et donc Roland-Garros notamment, encore une fois, enfin voilà, avait vraiment permis de faire beaucoup parler de la campagne, et il y a eu des images qui ont fait le tour du monde, et ça a vraiment permis de nous lancer. Dans la deuxième phase d'action, donc là c'était plus à l'automne justement, on a concrètement, il y a eu 350 personnes qui ont participé à des blocages de route principalement. Donc il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, on s'expose juridiquement, parce que par exemple bloquer une route, c'est un délit, ça s'appelle entrave à la circulation. Donc derrière, il y a des poursuites juridiques éventuelles, alors à différents niveaux en fonction des situations. Mais voilà, donc ça nécessite un certain engagement, et il y a des formations pour justement faire en sorte que les personnes qui participent à des actions soient prêtes. Et donc il y a eu des actions partout en France. Il y en a eu à Toulouse, il y en a eu à Paris, il y en a eu à Lyon. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase où notre objectif, c'était de créer un soulèvement populaire qui permette de mettre la pression au gouvernement et du coup de faire en sorte que le gouvernement craque. Et sauf que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une réforme des retraites qui est passée, qui a généré du coup un soulèvement populaire inné. Et le gouvernement n'a pas craqué, pas pour l'instant. Moi, je garde espoir qu'on finisse par arriver à faire quelque chose. Mais du coup, on s'est dit, bon, nous, essayer de surnager médiatiquement là-dedans, ce serait complètement farfelu, et puis presque un peu, ce serait prétentieux, voilà. Ça aurait été prétentieux de se dire... le mouvement contre la réforme des retraites, c'est une chose, mais nous on garde notre ligne de conduite et tout ça. Donc ce qu'on a fait comme choix, ça a été plutôt de se dire, on va soutenir les actions de blocage qui ont lieu, on va aller avec les syndicats bloquer des raffineries et autres, parce que ça nous paraît cohérent. Et puis surtout, en fait, on soutient ce mouvement parce que on fait face aux mêmes problématiques. Déjà, bon, vous avez entendu le slogan « pas de retraité sur une planète brûlée », parce qu'effectivement, s'il y a tout qui a cramé, qu'on met la retraite à 64 ans, à 62 ou à 60, ça change pas grand-chose, finalement. Et du coup, l'idée de soutenir le mouvement, c'est dire effectivement, nous aussi, au travers de la revendication qu'on porte, on a subi le 49-3, parce qu'en fait, en octobre-novembre l'année dernière, il y avait un amendement qui a été passé, enfin, qui avait été voté, qui avait permis d'obtenir 12 milliards supplémentaires pour la rénovation des bâtiments. Et dans le lot, il y avait 3 milliards qui étaient octroyés aussi au ferroviaire. Sauf que Elisabeth est arrivée et paf, 49-3. Donc c'est passé à la trappe. Et le problème, c'est que on sait que voilà, le gouvernement bafoue nos droits, bafoue la démocratie. Si on récapitule très rapidement, donc nous, on a pris 49-3 sur notre amendement. Sur les retraites, 49-3. Au total, sur les 10 derniers mois, là, il y a eu le 49-3 a été utilisé 11 fois. Et puis, globalement, il y a une répression pas possible envers les militants de manière générale.
Sur la question des retraites, il y a plein de gens qui sont tabassés pour du beurre, qui sont, enfin, ils embarquent tout le monde un peu à la va-vite. Et puis du côté des militants, disons écologistes, il y a aussi une très forte répression, parce que très récemment, il y a eu une opération de perquisition et d'interpellation de personnes. Tout ça organisé par la brigade antiterroriste, enfin bon bref, un truc de ma boule quoi. À Versailles, il y avait 70 flics pour attraper deux personnes qui étaient juste pas des dangers publics. Enfin, c'est complètement démesuré. Il y a tout le discours de Darmanin sur les éco-terroristes et tout ça. Donc en fait, finalement, tous ceux qui luttent contre l'absurde sont ultra réprimés. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de se ranger derrière le mouvement social en disant « on vient en soutien aujourd'hui ». Parce que c'est complètement cohérent et que ce serait justement pas cohérent de notre part d'essayer de continuer à faire les choses dans notre coin et de faire comme si ça se passait rien autour. Donc notre objectif, ce qu'on souhaitait faire, c'était mettre un maximum de pression là au mois de juin auprès du gouvernement parce qu'il devait être voté une loi de programmation énergie-climat. Qui devait octroyer pour les, alors je crois que c'était pour les 5 années à venir, un plan de financement pour justement financer la transition écologique. Sauf que notre super gouvernement, encore une fois, a plutôt choisi de traiter l'immigration en premier parce que vous comprenez que c'est beaucoup plus important, c'est vraiment la grosse urgence. Et donc, tout ce paquet de, enfin, toute la loi de programmation énergie et climat va être votée à l'automne. Et donc, ce qu'on a choisi de faire de notre côté, pour un nombre de raisons que je vais vous évoquer, c'est en fait de décaler, justement. En fait, là, en ce moment, on est en ralentissement, parce que c'est une campagne qui nécessite pas mal d'investissement. Il y a aujourd'hui, il y a presque 300 personnes qui consacrent plus de 7 heures par semaine à la campagne. Parmi ces 300 personnes, il y en a une grosse vingtaine qui sont rémunérées et qui travaillent à plein de temps pour la campagne. Et puis tous les autres, ils sont bénévoles, quoi. Donc, moi, par exemple, j'ai un boulot, et puis à côté, je donne pas mal de temps pour la dernière rénovation. Et du coup, là, en fait, le choix qui a été fait, c'est que, étant donné que dernière rénovation, elle rentre très vite au cours de l'année qui vient de s'écouler, forcément, quand on met plein d'humains ensemble, ça peut faire des très belles choses. Et puis, il y a aussi des frictions sur la manière d'avancer, est-ce qu'on utilise la bonne stratégie et tout ça. Donc là, on a choisi de prendre justement ce temps, étant donné qu'au niveau législatif, il y a une réorganisation, on a dit, bon, ben, très bien, nous, on en profite pour souffler un peu, remettre les choses à plat sur ce qui va pas en interne, et puis, du coup, être en capacité de repartir cet été et de relancer plein de gaz, nos réunions publiques, nos journées de formation à l'action, pour justement être en capacité de nouveau mener des actions quand il sera temps de les mener. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Globalement, je vous ai dit l'essentiel. Donc, ce que j'aurais à vous préciser en conclusion, c'est que nous. Enfin, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est quelque chose qui est assez évident pour vous, mais en fait, résister, c'est vital. On ne peut pas accepter de subir tout le temps l'absurdité de la façon de penser du gouvernement et des gens qui y défendent, très concrètement, parce que c'est de ça dont on parle. Et puis la question, c'est pas tellement de savoir si on est passionné par tel ou tel autre sujet. Aujourd'hui, on sait que la question du climat, elle est extrêmement critique et on n'a plus beaucoup de temps pour prendre des mesures drastiques qui permettraient de sauver notre peau à minima. Et donc, en fait, tout ça, c'est une question de survie. Donc, moi, ce que j'invite, enfin, ce que souvent je fais au cours des réunions publiques qu'on organise, c'est dire aux gens, finalement, que vous rejoignez dernière rénovation ou pas, moi, je m'en fous complètement. Mais faites, si vous pouvez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui, engagez-vous un peu plus, quoi. Parlez-en autour de vous, rejoignez, j'en sais rien, Greenpeace, votre asso local qui s'occupe de planter plus d'arbres ou d'inciter les gens à mieux trier leurs déchets, parce que c'est déjà une première étape. Il faut aller beaucoup plus vite que ça, mais c'est déjà une première étape. Après, on sait que nous, par exemple, le plan qu'on porte, il n'est pas parfait.
Il y a plein de gens qui nous ont critiqués sur le fait qu'on bloque des routes en disant vous trompez de cible, c'est pas les Quidam qu'il faut aller emmerder. Mais en fait, on a déjà emmerdé le gouvernement plus d'une fois. Et puis pour l'instant, on voit que ça porte pas ses fruits. Quand on bloque des routes, c'est impossible de nous ignorer. C'est hyper médiatisé. Ça permet aussi de parler aux gens. Et puis de, malgré tout, de montrer qu'il y a quand même une diversité dans ces mouvements, que bah, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a, enfin quand je dis des vieux, voilà, hein, je m'entends, je veux pas, mais on a besoin de plus de vieux en l'occurrence, donc s'il vous plaît, venez pas. Moi en tout cas, j'ai vraiment envie qu'il y ait encore plus de diversité, et que justement hier soir j'animais une réunion publique à Toulouse, et une personne, une femme qui a une cinquantaine d'années, qui nous a dit, bah, moi je, pardon. Mais voilà. Non. Vas-y. Entre les deux. Et du coup, cette personne disait, moi je trouve que, enfin, je suis hyper légitime à être dans ce mouvement, enfin dans ce mouvement, parce que justement, ne serait-ce que sur des blocages de route, je vais me retrouver en face de personnes qui vont être mes semblables et qui du coup. Ça va beaucoup plus leur faire tilt que si c'est effectivement une personne qui est entre 20 et 30, qui est soit étudiant, soit jeune actif ou éventuellement au chômage. Et parce que c'est très souvent les retours qu'on a, quoi. C'est oui, bon, de toute façon, vous êtes des chômeurs en l'heure et en l'occurrence, vous avez que ça à faire, vous servez à rien. Enfin voilà. Donc légitimer en fait nos actions au travers des gens qui nous représentent et qui nous rejoignent, c'est hyper important. Et très brièvement, donc, les différentes manières dont vous pouvez nous aider, si en tout cas cette première petite introduction vous a parlé. Déjà, bon, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait possible de le faire, mais peut-être qu'un jour on organiserait une réunion publique ici et on fera une promo incroyable et il y aura 100 personnes. Et donc ça, c'est une première chose qu'on pourrait faire. La deuxième chose, c'est si ça vous parle et en allant vous renseigner, vous dites, bah oui, moi j'aurais envie de prendre part à la dernière rénovation. Vous pouvez vous former aux actions, et se former aux actions, ça n'oblige pas à participer aux actions derrière. Le gros intérêt, c'est mieux comprendre le mouvement, se former sur les questions de désobéissance civile non violente, c'est hyper important encore une fois. Hein. Et puis éventuellement, bah, du coup, derrière, prendre part à des actions. Après, sur les actions, il y a des rôles qui sont arrêtables et des rôles qui sont non arrêtables. Ça veut dire qu'en fonction de qui vous êtes et de ce. Quoi, vous êtes prêt à ce. Et en fonction de. Ce à quoi vous êtes prêt de faire, ouais, je sais pas, enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez choisir les rôles que vous allez prendre pendant cette action. Et puis après, bah, vous pouvez aussi vous engager, ne serait-ce que dans les groupes locaux. Donc là, bah, le groupe local le plus proche d'ici, c'est Toulouse. Mais vous pouvez être éventuellement des relais, vous, sur Boucharamy, Riom et les alentours. En allant parler de dernière rénovation, j'en sais rien, des événements, ou peut-être aller tracter sur des marchés ou pas. Ça peut être une possibilité. Et voilà. Il est 20h11, donc j'ai parlé 20 minutes, c'est bien suffisant. Du coup, je vais inviter Hugo et Vincent à nous rejoindre. Et du coup, donc Hugo et Vincent, ils font partie de dernière rénovation aussi. Et ils vont faire un petit témoignage sur ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. Et voilà. Merci pour votre attention. Ok, merci. Ouais, donc du coup, je vais faire assez rapidement. Essayer de décrire. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans. Pour commencer, ça fait bizarre, c'est la première fois que je suis sur une scène un peu, donc ça va aller, je vais m'en sortir. En gros, de base, moi, j'aime pas un milieu très militant. J'ai jamais eu vocation à bloquer quoi que ce soit. C'est pas très fun à faire. Mais j'ai fait mes études dans le domaine de l'énergie et du climat. Et du coup, j'ai dû écouter un peu les scientifiques, malheureusement. Et c'est en étant face à ce constat que je me suis dit qu'il fallait passer à l'action. Enfin, rapide. J'ai connu la dernière notion avec l'action qui a eu lieu à Roland-Garros. Une fille qui s'est accrochée au filet. Ça a été très bien médiatisé. Et j'ai vu que la stratégie me semblait quand même assez pertinente. Du coup, j'ai fait une réunion publique en ligne, après une information à l'action. Et au moment-là, après, il y avait le Tour de France. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont regardé le Tour de France l'année dernière ? En 2022, personne ? C'est bien. Moi non plus, honnêtement, je ne regarde pas.
Donc je ne sais pas comment ça marchait. Alors j'ai fait deux actions en Tour de France. La première, je vais la passer parce que je suis super plus vite. Je vais vous parler de la deuxième, qui avait lieu au contre-la-montre. Et le contre-la-montre, en fait, c'est assez spécial parce que les coureurs passent un par un. Tout le monde est vraiment très collé. Il y a énormément de public sur la route. Et il y a beaucoup de sécurité. Et interrompre ça, c'est quand même pas très facile. Mais ça fout un beau bordel au niveau du chronomètre si on arrive à le faire. Et du coup, on était sûr d'avoir un impact médiatique assez conséquent si ça a marché. Donc voilà, on débarque sur la route, on était déguisé en touriste en fait. En touriste, en fan, en supporter, c'est le plus adapté. Après les petites casquettes comme ça, les maquillages un peu blanc-rouge, c'était. Voilà. Et là vient un coureur random, je sais plus pourquoi on avait décidé de bloquer lui, le pauvre, il a rien demandé, mais on s'est mis sur la route à peu près 30 à 20 secondes avant qu'il arrive. Et à ce moment-là, c'est le chaos total. Il y a la moitié du public qui est autour, qui commence à rentrer pour essayer de se dégager. On se fait insulter de tous les sens. Et il y a même un mec qui avait peut-être 50 piges qui commence à shooter dans un de mes camarades qui était par terre. Et j'ai failli devenir violent à ce moment-là, mais je ne sais pas devenir. Mais quand même, c'était vraiment très très chaotique. Il y avait une personne qui était avec nous, qui était infiltrée en supporter, qui a dit à tout le monde « Ah, calmez-vous !» Et elle avait tellement une autorité naturelle que même ceux qui me frappaient sont arrêtés. Et en fait, la situation s'est quand même calmée assez vite. Donc la police est venue et nous a mis sur le côté de la route. On se faisait quand même bien insulter, hein. C'était de partout, mais au milieu de ça, il y a genre un mec qui a peut-être 16-17 ans, et son petit frère, et genre ils sont venus me voir, hein, qui était me doter comme ça, comme un con, sur le côté de la route, et il me dit, ouais, pourquoi vous avez fait ça, en fait? Et je lui ai dit, c'est pour que le gouvernement rénove le logement pour émettre moins de gaz à effet de serre par rapport au changement climatique. Et après, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'après, j'ai entendu aller vers son père et lui dire, non, mais attends, ils ont raison, ils font ça pour nous. Et ça m'a marqué de ouf, je le raconte très rarement, ouais. Et ça m'a vraiment marqué, et du coup, voilà. Après bon, on s'est arrêté, on était en garde à vue, ils n'ont pas pu nous garder la nuit parce qu'il n'y avait pas de lit pour dormir, c'était très compliqué d'aller aux toilettes, ils donnent des plots au micro-ondes pas ouf, et on a été relâché à 23h du mat' dans la campagne, enfin, un bordel, mais voilà, ça a plutôt bien fini, on a pas eu de suite juridique pour cette action, il y en a eu pour d'autres. Mais voilà, globalement, moi je retire, même si c'était très chaotique, je retire quand même un bon souvenir. Merci Vincent. Effectivement, tu ne m'avais jamais raconté cette anecdote avec le petit qui comprend. C'est cool. Première fois que je parle dans un micro. Je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Alors, je suis arrivé après Vincent. Alors, je ne sais pas quand est-ce que Vincent a démarré le mouvement, c'était en juillet. Moi, je suis arrivé fin septembre. Pour dire si j'étais en. Je faisais des études d'ingénieur en informatique. Milieu scientifique, assez pragmatique. Je suis quand même tombé de nu face à la science. Et. Face aux chiffres. On a quand même du mal à. Comment dire? On a quand même du mal à. Ça nous touche pas forcément. Et c'est assez compliqué quand même de la manière en plus dont c'est traité, on va dire, dans les médias, dans la manière dont on peut percevoir les chiffres. Et je suis tombé sur des personnes qui finalement se sentaient touchées par ce qui arrivait réellement, un peu se reconnecter à ces émotions. Et à ce moment-là, je suis tombé en grande dépression. En grande détresse face à la réalité qui allait nous arriver. Vite, j'étais sur mon ordinateur, je suis tout le temps sur mon ordinateur, je cherche qu'est-ce que c'était l'éco-anxiété, et je tombe assez rapidement sur le remède à l'éco-anxiété, ce qui est le fait d'agir. Et donc, ni une ni deux, je cherche comment agir pour le climat. Et je tombe sur une petite vidéo de Arte qui s'était sortie le jour même, qui parlait de l'écologie, du mouvement d'écologie radicaux. Et c'est une petite vidéo de 7 minutes qui parlait de Extinction Rébellion et de Dernière Innovation. J'ai découvert Dernière Innovation à ce moment-là. Le soir même, il y avait une réunion publique.
Et donc c'était jeudi, et le dimanche, j'ai fait une formation à l'action. Donc ça, c'était fin septembre. Suite à ça, j'ai participé donc, à la vague d'action en novembre-décembre. J'ai participé à 3 blocages de route. J'avais un poste assez particulier, donc il y a plusieurs rôles dans une action. Au-delà des personnes qui vont s'asseoir sur la route ou prendre des photos pour l'action, moi j'étais ce qu'on appelle désescaladeur, peacekeeper, où le but ça va être finalement d'aller parler aux automobilistes, donc expliquer pourquoi il y a des personnes devant eux assis sur la route, pourquoi on bloque la route. Et donc j'ai fait ça sur les 3 actions. J'ai été formé à la communication non violente, formé à essayer de désescalader les situations pour éviter d'en arriver à la violence physique, finalement. La violence verbale était souvent là. Bon, sur les 3 actions, il n'y a pas eu de blessés. Personne n'en est venu aux mains. Donc, soit j'ai fait mon travail, soit les gens étaient assez endormis pour ne pas vouloir en venir aux mains. Mais bon, on continue. J'étais assez fier de ce que j'ai fait. Et c'était assez simple de se rendre compte, assez simple de bloquer une route, de se dire bah, que finalement, bon, le périph, bah, il y a un escalier à côté du périph, il suffit de prendre 10 personnes, vous y allez, on va dire, à 8h du matin quand il y a un gros embouteillage, et vous allez vous asseoir sur la route, et le périph est bloqué. Voilà. Par contre, là, plus qu'à attendre la police. Donc, pour l'instant, c'est juste passé comme ça. Et ensuite, plus récemment, j'ai participé à une action donc, de trachage, de peinture urage, on va dire ça comme ça, sur la préfecture de Toulouse, où à l'aide d'extincteurs, nous sommes invités à repeindre la façade du bâtiment. J'étais inquiété pour la police, quand même. On n'avait pas venu nous chercher sur l'action en elle-même, mais bon, on a été convoqué un bon mois suivant l'action. Et là, on était convoqué initialement pour une audition libre suite à une plainte déposée par la préfecture. Nous sommes arrivés et directement nous avons été mis en garde à vue et on s'est pris, on va dire, 48 heures de garde à vue suivi d'un déferrement au tribunal. Voilà, c'est une petite expérience sympathique, ça se passe bien. Voilà. Des amendes ? On verra. Certainement. Ouais. Le procès est en fin d'année. Ouais, pour ça en octobre. Voilà. Okay. Merci. Je dirais juste en disant que voilà, si effectivement, si éventuellement un jour on met sur pied une réunion publique ici, vous en entendrez parler. Et sinon, il y a des réunions publiques à Toulouse, en ce moment une fois par mois, mais à partir de août, il y en aura une fois toutes les 2 semaines en ce moment, mais il y en aura de nouveau une fois par semaine à partir du mois d'août. Merci beaucoup pour votre attention et encore une fois, on répondra à vos questions avec plaisir. Après qu'on m'écoute éclair. Voilà. Donc je passe après cette grande action on vient de parler. Alors, moi je suis Claire. Je suis la fondatrice d'un réseau social, blog, Instagram qui s'appelle C'est l'air du temps depuis 2017. Et avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, je vais vous raconter. Donc la semaine dernière, j'étais à Paris Porte de Versailles pour couvrir un festival, un premier festival sur la thématique du zéro déchet. Et j'ai assisté à une conférence où il y avait des politiques, des acteurs, donc notamment la cofondatrice de Label Emmaüs, voilà, des acteurs de l'ESS, etc. Et bon, ils ont parlé pendant 1h30 et à la fin, donc j'ai posé la question qui me trotte depuis un moment dans la tête et qui m'anime, voire hante au quotidien, c'est comment rendre l'écologie désirable et comment la rendre un peu sexy pour pouvoir effectivement, en plus de l'action militante, de l'action non-violente, etc., embarquer un maximum de monde dans cette aventure-là. Donc, moi, je vais poser cette question-là parce que c'est ce que j'essaye, moi, de faire au quotidien. Alors, on dira influenceuse. Moi, je me vois plus comme une inspiratrice, une aiguilleuse pour transmettre aux gens le maximum d'écosystèmes, de solutions pour qu'ils puissent trouver à leur échelle la façon de s'engager, que ce soit dans le militantisme, dans l'écologie du quotidien,
dans l'intelligence collective pour transformer le système, etc. Moi, en 2014, je suis devenue maman. Et ça a été le démarrage de ma vie écologique. Avant ça, j'avais une conscience qui consistait effectivement à considérer que parce que j'avais fait mon tri sélectif, j'étais une écolo assez parfaite, quoi, quelque part. Outre le tsunami émotionnel lié à la parentalité, est arrivé par-dessus le tsunami lié à la responsabilité écologique et effectivement à notre... a pris de conscience que effectivement, toutes mes actions, qu'elles soient effectivement visibles ou invisibles, avaient un impact sur mon environnement et que forcément, comme je faisais partie du vivant, j'en dépendais aussi. J'ai commencé à mettre le nez dedans via effectivement à l'époque le zéro déchet. J'ai retourné ma poubelle par terre en me disant mais voilà, comment je peux essayer au quotidien de réduire ce que je vois visiblement là qui est dans ma poubelle. Bon, et 90% du plastique, hein, je ne vous apprends rien. Et en fil en aiguille, je suis rentrée là-bas, donc effectivement, j'ai revu tout mon mode de consommation, passer d'une poubelle par semaine à une poubelle tous les 4 mois en l'espace de 1 an. Donc, moi, je suis allée un petit peu fort, j'ai mis toute la famille au pli. au bout d'un an, 2 ans, à l'époque, j'étais avec ma sœur Camille, on s'est dit, on a chacune avancé dans notre démarche, est-ce qu'on ne partagerait pas ça, notre trajectoire avec d'autres. Donc, on a créé un blog. C'est aujourd'hui, effectivement, les blogs, ça parle plus beaucoup, mais quand même, il y a pas mal de monde qui continue à lire le mien. Et on s'est dit, à l'époque, si les 50 copains de nos parents lisent ce qu'on écrit, on sera super contents parce qu'on aura réussi à embarquer 50 personnes. Aujourd'hui, c'est l'air du temps, c'est 10 000 visiteurs uniques par mois et 100 000 personnes sur Instagram. Donc, on a un peu dépassé les 50 copains des parents. Donc, c'est super chouette. C'est une super communauté. Aujourd'hui, moi, je travaille sur la question de l'imaginaire autour de l'écologie et de comment on peut arriver à la rendre sexy, désirable surtout. Parce que, tout à l'heure... vous parlez d'éco-anxiété, forcément, je pense que c'est pas une maladie, c'est quelque chose, un comportement complètement normal et sain de notre cerveau en dissonance cognitive, parce qu'on est pris dans une société qui est telle qu'elle est, et à côté de ça, on voit bien qu'effectivement, ça va pas. Un temps, j'ai voulu porter effectivement ce syndrome de sauveur du monde sur les épaules, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était absolument pas possible, parce que ce n'était pas possible du tout à moi seule, ou moi-même. Temps que nous sommes. J'ai essayé de voir ça sous un autre angle en me disant, toi, à ton échelle, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour déjà toi avancer, c'est-à-dire en tant que personne, sentir que tu es droit dans tes bottes et que tu avances parce que c'est juste et qu'effectivement, c'est là où il faut aller. On a créé ce blog. Alors, au début, on partageait nos pérégrinations sur ce chemin-là. Et au bout d'un moment, quand j'ai remis un peu à plat ma vie personnelle et que j'ai un peu mis en accord avec mes valeurs, mon inconscient, il me sonnait à ma porte et m'a dit, écoute, cocotte, c'est bien mignon, t'as mis ta vie perso au pli, ton boulot, pas terrible, quoi. J'étais architecte en libéral, le bâtiment étant... ce qu'il est, avec son lot de déchets, consommation énergétique et tout comme dit, clairement, aller choisir des couleurs de carrelage, de toilettes, assister à des disputes entre monsieur et madame parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'emplacement de la cuisine, je me suis dit que c'est pas avec ça que j'allais faire un switch public. J'aurais pu le faire, j'ai été en partie un peu lâche parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à faire dans le bâtiment. Il y a plein d'acteurs, notamment Toulousains, qui s'inquiètent de la question de la circularité, du réemploi, etc. À l'époque, j'étais tellement au fond de la cuve que je ne voyais absolument pas tout ça et qu'il fallait que j'en sorte pour pouvoir mieux avancer. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, une reconversion pro et ce que j'avais mis en place, effectivement, cette communauté sur les réseaux sociaux et sur le blog m'a servi de terreau en fait, à la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, quand on pose la question « qu'est-ce que je fais dans la vie ?», ce
la question qu'a posée la personne à l'état civil à mon mari quand on a déclaré la naissance de mon deuxième enfant. Elle a dit, attendez, je l'appelle parce que je ne suis pas sûre de savoir. Donc, voilà. Bon, pour moi, aujourd'hui, chez l'accompagnement au changement, dans le but d'être dans l'inspiration. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Donc, je partage sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les thématiques qui me sont chères, qui sont la transition alimentaire, consommer mieux, moins, surtout moins de viande, beaucoup plus locale, etc. Et la mobilité douce. Effectivement, c'est une autre de mes préoccupations. Nous, voilà, on essaye de remettre de l'inspiration et de dire, ben, en fait, oui, on va perdre des emplois quand on va aller vers une société bas carbone, quand on va aller vers une société plus sobre, mais en fait, on va aussi vachement en gagner. Et que dans la balance, en fait, on va perdre 800 000, mais on va en gagner 1 million. Et ça, il n'y a personne qui le raconte. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de raconter. Il y a plein de jours où je me demande si ça sert à quelque chose. mais l'avantage effectivement des réseaux sociaux, ou du moins voilà, de l'écrit, c'est qu'il y a des gens qui vous répondent et que dans ma boîte mail ou dans ma boîte Instagram, tous les jours, j'ai des gens qui me disent que c'est grâce à moi qu'ils ont entamé leur transition écologique, qu'ils ont commencé par effectivement mettre le nez dans leur poubelle et qu'aujourd'hui, ils sont inscrits dans des associations, dans des mouvements de militantisme écologique, qu'ils ont converti leur patron à mettre l'épargne salariale vers des fonds beaucoup plus verts, etc. Donc, ça m'a forcément hyper fière. Et donc, ça me motive un peu plus à continuer. Et c'est surtout, tout ça, je m'en suis rendu compte de manière complètement... je le faisais déjà... auprès de mes proches, c'est-à-dire quand je parlais de militante de végétarisme, par exemple, je parlais pas forcément du bien-être animal ou de qu'est-ce que ça coûte, l'agriculture intensive, les chiffres, etc. Parce que déjà, malgré mes études scientifiques, je suis hyper nulle en chiffres, en fait. Mais je le faisais par l'incarnation et par effectivement, ce truc-là que j'ai... de vivre ma vie, de le faire aussi avec pas mal de smile et de bonne humeur, malgré effectivement tout ce qui se passe autour, et que je m'en suis rendu compte que en fait ça fonctionnait vachement. Donc je me suis dit je vais transmettre ça, et je le faisais un peu à tâtons au début. Bon, typiquement, je suis devenue influenceuse vélo taf malgré moi, parce qu'effectivement à force de partager ma tête à vélo sous la pluie en novembre, sous un manteau en décembre, au beau jour, etc. J'ai plein de gens qui se sont mis à prendre leur voiture, à laisser leur voiture au garage et à faire les 20 km par jour qui les séparent de leur travail en investissant dans un vélo, etc. Donc, effectivement, peut-être que tout ça ne fera pas avancer le chemin suffisamment assez vite. Mais je crois profondément que tout pas fait vers la sobriété, vers la société bas carbone, vers la résilience, etc., est un pas de moyen à faire. Et que forcément, les choses seront un petit peu moins difficiles à absorber si on est averti de tout ça. Et c'est ce à quoi je pense quand je vais partager sur les réseaux une recette de lessive avec des trucs qu'on trouve dans la nature, fabriquer un vinaigre de figre ou expliquer effectivement comment on peut faire des économies d'eau, pas seulement en regardant son robinet et en récupérant l'eau de la douche ou en faisant pipi dessous, peu importe, mais aussi en questionnant sa consommation parce que l'eau qu'on consomme, elle est à 80% invisible, etc. Donc voilà ce que je fais au quotidien. Et donc aujourd'hui, c'est devenu essentiellement mon travail. Donc pour faire le lien par rapport à thématique d'invitataire cette année, qui est la sobriété énergétique, vous allez me dire, oui, non, attends, les réseaux sociaux, c'est pas hyper énergétique, c'est quand même pas sobre énergétiquement parlant. On en parlait au début, je pense qu'à un moment donné, dans toute cette bêtise que sont les réseaux sociaux, certains plus que d'autres, mais je pense qu'il faut qu'on trouve une voie VOIE et une voie VOIX, et que, quelque part, à un moment donné, plus on fera de bruit aussi, plus on a. Voilà, on arrivera à transmettre d'autres messages qui sont qu'effectivement, pour moi, le mien en tout cas, c'est qu'être écolo, c'est pas forcément vivre dans une grotte
complètement sans électricité et avec un pull en pissenlit ou je ne sais quoi, mais qu'en fait, il suffirait qu'on réduise tous notre consommation de viande de 20%, qu'on réduise notre consommation de voiture de 50% et que c'est pas la mer à boire et qu'on s'en sortirait vraiment vachement mieux, en fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai pas fait la demi-heure, mais ça laissera plus de temps pour les questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Ne soyez pas timide. Il y a forcément des choses qui ont éveillé votre curiosité, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Moi, j'en ai une. Je connais déjà la réponse, mais justement, on parlait des comptes étiquetés tout à l'heure. Est-ce que justement. Avec le fait que le gouvernement n'agit pas assez ou avec des actions plus éclairs et toutes les actualités aujourd'hui, on ne tombait pas justement des fois dans une éco-anxiété et que ça peut être. Plus on laisse l'actualité et plus on tombe dans une éco-anxiété vraiment assez. Alors moi je pense qu'on n'en guérit jamais. C'est quand même, ce serait maladie, c'est absolument pas du tout maladie, mais on va dire, je pense qu'on s'en sort jamais, quelque part, et ça serait complètement dingue de devoir en sortir, parce que, on va dire, le monde est tel qu'il est, qu'on doit jongler, effectivement, avec cette urgence de vie, d'avoir envie de vivre sa vie et de dire à côté, on va complètement faire l'autruche, et voilà. Moi, c'est les montagnes russes, et je pense que c'est... pour beaucoup comme ça. Moi, la phase de colère est vraiment est passée depuis longtemps. J'y reviens de temps en temps. Par exemple, en ce moment, je suis dans une phase de fatigue extrême qui arrive toujours à cette période de l'année. C'est pour ça que je fais une énorme détox digitale pendant 2 mois entre août et septembre, déjà pour profiter en vrai des gens. Et aussi parce qu'au bout d'un moment, notamment avec la sphère numérique, on est plongé dans un espèce de tourbillon, en fait, où on reçoit sans cesse, quand bien même on ne regarde pas la télé, quand bien même on n'écoute pas les infos, des informations. Donc moi, j'ai mis en place des garde-fous qui me permettent effectivement de garder la tête le plus souvent hors de la vague. Ces garde-fous étant majoritairement débranchés la vie virtuelle et me connecter à la vie réelle. Donc quand vous avez des enfants en bas âge, bizarrement, vous êtes quand même assez facilement dans la vie réelle. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, beaucoup d'ancrage et de pleine conscience. Et après, forcément, l'action avec des choses qui nous font du bien. Je pense que c'est hyper important et surtout de se dire qu'on fait les choses pour soi, pas parce que le combat peut être gagné, parce qu'il est juste. Je pense que c'est hyper important. Non, je pense que je n'en sortirai jamais, à moins que, je ne sais pas, les actions militantes fantastiques nous mettent à terre ce gouvernement, ce monde fada, et que demain, 2050, on a tous un boulot et une société décarbonée, ce qui sera assez fantastique. Donc, comme je pense qu'effectivement, même s'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place, il y a quand même des grands changements qui vont arriver, je pense qu'il faut accepter de vivre avec et de mettre en place des petites balises comme ça. Quand ça vient trop près, on dit stop, là c'est trop pour moi, je me détache, je me mets en retrait, je fais même 1 mois, 2 mois l'autruche, je mets les mains dans la terre, je fais mon potager, je m'occupe d'autres choses, je vais aider les gens, je vais dans le lien, etc. pour arriver un petit peu à recharger les batteries pour repartir. Je pense que c'est hyper important. Il y a plein d'ateliers qui aident les militants aussi. Il y a le travail, travail qui relie, des recettes, des retraites d'éco-sérénité. Je pense que c'est hyper important d'être entouré, en fait, d'avoir un entourage soutenant. Parce que d'aller au carton tout le temps, en fait, c'est ultra fatigant. En fait, de lutter tout le temps, c'est ultra fatigant. Donc moi, j'ai beaucoup de chance, en fait, d'être entouré, que ce soit effectivement dans mon entourage proche. J'ai aussi, de manière assez survivaliste, éloigné les gens qui me traînaient vers le bas. Et après, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, on est forcément confronté à des gens qui n'ont pas notre avis. Alors moi, je touche du bois pour l'instant. J'ai assez peu de gens, des trolls ou des haters qui viennent
me dire qu'ils aiment bien leur entrecôte et que jamais ils passeront à autre chose. Bon, pour l'instant, je suis très, très épargnée. Il ne me tarde pas le moment où ça va arriver parce que je ne sais pas trop comment je vais réagir. Mais voilà, c'est aussi le fait d'accepter que quand on fait de la communication, on est dans un contrat de communication et qu'on accepte aussi de pouvoir soit être influencé, soit être influençable. Voilà, et influencer les autres, et que le fait, ça veut aussi se confronter, ça veut dire se confronter aux opinions des autres qui ne sont pas forcément toujours les nôtres, mais ça va se protéger aussi. Voilà. Si j'ai répondu à la question, un petit peu peut-être. Oui. Non, voilà, c'est pour ça qu'on garde la motivation. Oui, ben, moi je poser des garde-fous, et bien les définir, et savoir quand on est dans le rouge. Je suis très bavarde. Je sais que sur le même sujet autour de garder l'anxiété, c'est que moi, dans mon parcours, j'étais tombé sur ça, en fait, sur les études, l'information, les réseaux sociaux, et puis en fait, on tombe un peu dans la boucle, et on tombe de plus en plus bas. Et en fait, le fait de rejoindre Dernière Innovation, au-delà que ce soit Dernière Innovation, ça se rejoint un groupe d'êtres humains, c'est le fait d'en parler avec des gens et de me rendre compte que, que j'étais pas tout seul à avoir ces idées qui me trottent dans la tête. Et je pense que c'est pas, ne pas affronter ça tout seul, sans finalement l'anxiété, bon, j'ai bien compris que c'était pas une maladie, hein, ça ne se traitait pas, et que bon, tant que le monde sera la manière dans laquelle il est, on sera toujours hypo-anxieux. Je pense que c'est surtout important de se mettre en groupe et de se serrer les coudes et d'en parler et d'extérioriser. Donc, moi, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui m'a permis de, voilà, d'être là aujourd'hui et de continuer. Juste pour rebondir, moi, en parallèle de ça, ce qui est hyper important et ce qui est aussi mon mantra, c'est de se dire, en fait, je trouve que c'est important et on ne le montre pas suffisamment ou de manière anecdotique et qui sert de carte joker pour dire, regardez, on fait quand même des trucs, c'est de se tourner vers les choses qui marchent déjà, en fait. D'aller voir les acteurs du tissu local, les gens qui font aujourd'hui en fait des activités et des projets pleins de sens et de les mettre sur le devant de la scène. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus et j'ai commencé à le faire parce que surtout sur Toulouse, en fait, on a des acteurs et des actrices de ça qui existent déjà et que je crois que en fait, il faut que ça devienne le bruit ambiant à tel point en fait que ça devienne la norme, ça c'est mon idéal, moi, mais je en fait il faut faire en sorte que finalement ce que j'appelle effectivement ce côté glamour de l'écologie ou du moins cette désirabilité de l'écologie parce que finalement le bruit soit tellement fort que ça soit finalement le discours dominant. Et je pense que effectivement plus on regarde ce qui marche, plus effectivement ben, on sort aussi plein de gratitude d'actions qui ont fonctionné, de gens qui nous renvoient en retour effectivement que ce qu'on a partagé, ça fonctionne, plus je pense que ça nous nourrit aussi. Vous avez partiellement répondu à la question que j'ai posée, mais quand même à la poser, parce que je pense que pour aller plus loin, la question que je me pose pour rester dans le positif, c'est est-ce que ces dernières années, suite à tout ce que vous avez présenté pendant cette présentation, je vous en remercie, c'est très détaillé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un développement des actions, des acteurs et une mise en réseau, une espèce de solidarité et de partage et de... Ou est-ce qu'il y a encore, comme toujours dans beaucoup de secteurs du militantisme, des chapelles et des guerres de chapelles? Et est-ce que... Enfin, je voulais être positive, mais je vais quand même pointer un questionnement qui peut être négatif. C'est que dans le militantisme, on peut avoir tendance à avoir des guerres de chapelles qui vont casser le fond du sujet. Est-ce que vous avez l'impression que ce sujet-là est tellement universel qu'il en est un peu épargné? Est-ce que vous avez un réseau d'acteurs avec lesquels vous travaillez? Enfin, C'est très clair. Sur les dernières années, de toute façon, en gros, si nous, par exemple, Dernière Innovation, on a fait le choix de se ranger derrière le mouvement contre la réforme des retraites, ça rentre dans cette logique-là. On a fait pas mal d'actions avec d'autres organisations, avec l'Alliance Citoyenne, avec Alternativa. On était à l'échelle locale, pardon. On était présent avec les soulèvements de la terre contre le projet d'A69 dans le Tarn. C'était début avril. Donc
enfin, ce qu'on cherche à faire, en fait, très concrètement, la recette est archi simple, c'est l'union fait la force. Donc, si je caricature, si tout le monde se met à bloquer le pays de manière pacifique, mais très efficace, ben, en fait, la bataille va être pliée en 2 secondes, quoi. Donc, oui, on cherche à faire plus d'actions avec d'autres organisations, d'autres mouvements. Et en l'occurrence, on se rend compte que ça marche. Enfin, ne serait-ce que si on regarde l'action qui a eu lieu de perturbation de l'Assemblée Générale de Total, c'était il y a 2 semaines, je crois, il y avait plus de 500 personnes, il me semble, et c'était des gens qui provenaient de plein d'organisations différentes. Et le fait est que il y a eu une médiatisation de cette action-là et que du coup il y a des gens qui avaient jamais entendu parler de la question du climat qui se disent tiens qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils bloquent, et enfin voilà, c'est, je pense que oui, il y a une forme de convergence des luttes qui est en train d'arriver et qui certes prend un peu de temps, mais en fait l'action du gouvernement est tellement vicieuse que en fait ça, malgré tout, ça ressoule les gens. Enfin, quand on voit la volonté de dissoudre les soulèvements de la terre de la part de Gérald Darmanin, qu'est-ce que ça a fait? Ça a juste super boosté le mouvement, quoi. On va pas le remercier, hein, mais mais franchement, on sent qu'il y a une volonté de faire plus de choses ensemble. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a peut-être des gains de chapelle, mais on sait que la problématique du climat, c'est une problématique qui touche tout le monde, qui touche tous les pans de la société. Et donc, en fait, je pense qu'il faut mettre son ego un peu de côté et se dire, même si on n'est pas forcément d'accord sur les méthodes ou sur la manière d'agir, enfin voilà, faut mettre ça de côté et se dire, de toute façon, il y a besoin de tous les niveaux d'engagement dans la lutte. Le fait de donner accès à l'information aux gens, comme le fait Claire, c'est hyper important. Le fait qu'il y ait des gens qui s'engagent de manière plus, pour dire, physique ou radicale, c'est important aussi. Nous, il y a plein de gens, pendant les manifs ou quoi, qui nous disent « merci pour ce que vous faites, c'est incroyable », parce qu'ils ne se sentiraient pas forcément d'aller se poser les fesses sur le périph', mais pour autant, ils soutiennent. Et après, en fait, il y a plein de manières de soutenir un mouvement, quel qu'il soit. Le fait de se dire dernière rénovation, je trouve ça hyper cohérent, mais je sais pas trop comment je pourrais aider. Si vous donnez 10 euros par mois et si vous pouvez le faire, en fait vous aidez et ça permet de faire avancer la chose. Donc il y a différentes manières d'agir. Et l'important, encore une fois, et c'est ce que je disais avant, c'est être en mouvement, quoi. Là aujourd'hui, on est dans une situation où on peut plus se permettre de juste rester les fesses dans le canapé à dire oh putain c'est terrible ce qui nous arrive, et puis juste dire oh putain c'est terrible ce qui nous arrive et rien faire d'autre, quoi. C'est voilà, ça répond à ta question. Parfait. Alors merci. Moi je vais juste ajouter quelque chose. Je pense que là on parle beaucoup du climat, mais finalement c'est pas le seul problème. Il y a aussi effectivement la biodiversité, etc. Je pense que les problèmes en fait sont vraiment très importants. On a dépassé quasiment toutes les limites planétaires, donc en fait l'enjeu il est juste immense. Et que forcément, d'avoir une convergence parfaite des luttes, c'est ultra compliqué. Et que finalement, une société bas carbone, elle se gère aussi beaucoup dans le local. Et que je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Enfin, moi, la semaine dernière, alors c'est un exemple ultra anecdotique, mais je suis allée voir Recyclobat, qui sont dans la zone Larieux. Bon, eux, c'est une filière complète, en fait. Donc, en local, il y a effectivement le réemploi qui fédère, mais il y a de l'atelier par contre. Comment ? Oui, pardon, Recyclobat, c'est un... Alors, je vais vous vulgariser, c'est un magasin de réemploi de matériaux de bricolage et de bâtiments de réemploi. Donc, effectivement, ils ont de la tuile, du parpaing, des fenêtres, voilà. Donc, alors, c'est rigolo parce qu'en fait, moi, j'essaye de faire des vidéos pour montrer tous ces acteurs-là. Et je dis, mais écoute, pour que ça parle, essaye de me résumer ton métier juste en 1, voire 2, voire 3 mots. Bon, en fait, il a fait son speech et alors, il me déploie son histoire de filière, etc. Bon, on a réussi à trouver un compromis. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est comment, en fait, en local, on arrive à trouver de la résilience. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura une toile qui sera complètement... c'est l'idée. C'est quand maintenant, toutes ces petites toiles, à un moment donné, elles vont, on va dire,
finir par se rencontrer. Mais bon, voilà, et, je veux dire, moi, j'ai des copines qui sont agricultrices en Dordogne. Bon, ben, en fait, il y a des réseaux complets d'agricultrices voilà, qui se fédèrent. Elles apprennent à réparer leurs outils, à conduire des tracteurs, etc. En fait, il y a plein de belles initiatives partout. Et que finalement, en fait, on est autant dans la lutte, comme vient de le dire mon collègue à côté. Autant dans la lutte quand on est effectivement assis sur un périph' on va dire, dans une agriculture... c'est de l'agriculture, c'est de la permaculture, que quand on va monter une crèche intergénérationnelle où on va se mettre dans un EHPAD parce qu'il faut faire le lien entre la petite enfance et on va dire la fin de vie. Ben, je veux dire, il y a tellement de chantiers en fait à monter que finalement, moi je préfère tellement me tenir à côté de potentiel, on va dire, guerre de chapelle parce que ça n'a pas de sens en fait. Donc oui. Il y a effectivement la nécessité, toutes ces actions, de les coordonner. C'est absolument impératif. Il faut effectivement que ceux qui luttent contre les méga-bassines, ceux qui luttent dans les différents secteurs, que ces associations soient coordonnées. Mais il faut déjà actuellement penser à l'étape suivante. On sait effectivement à qui on a affaire. Ces actions-là vont être de plus en plus réprimées. Il faut penser effectivement à l'étape de aider ceux qui vont se faire réprimer. Il va y avoir effectivement des gens qui vont être très durement condamnés à des amendes. Déjà, c'est en train de tomber, effectivement. Il y a des gens, effectivement, dans l'action de l'interbassine, qui ont perdu un œil, qui ont perdu un bras. Il faut effectivement penser à cette étape-là, en même temps qu'on pense à coordonner les actions. Il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on fait, quelle organisation, quel type d'action on met en place pour aider les gens qui vont en prendre plein la gueule. Parce que les militants les plus avancés, ils vont en prendre plein la gueule. Ils apprennent déjà. On n'a pas affaire à des scènes, on n'a même pas affaire à des démocrates actuellement. On a affaire à des gens qui ont le profit comme unique objectif et qui effectivement vont vouloir rien lâcher de leur pognon. Le problème, c'est le capitalisme, on sait. Après, je crois beaucoup, moi, à l'écosystème de solutions. C'est vraiment pour moi, effectivement, une des solutions, c'est le militantisme du terrain et l'accompagnement à ça, que ce soit dans le soutien psychologique, financier, juridique, etc. Mais il y a aussi d'autres solutions qui sont effectivement ces entrepreneurs du changement qui sont en train de mettre en place, voilà, surtout, on en a plein d'exemples, le retour de la consigne, je veux dire... Je pense que se focaliser sur une solution, enfin, ça c'est un avis ultra personnel et que j'essaye de défendre, mais qui est peut-être pas de l'avis de tout le monde, mais je pense qu'il faut de tout et pour tout le monde. Parce que si on commence à dire la seule façon d'être écolo c'est comme ça, ça fonctionnera pas en fait. Et les gens pourront pas se raccrocher à une adhérence en fait qui leur parle. Pour moi c'est hyper important ça. Et que le militantisme aujourd'hui, surtout avec la répression, bien sûr qu'il faut que le mouvement grandisse, mais ça peut faire peur et en fait je pense qu'il faut aussi être ok avec ça en fait. Et dire c'est pas grave, t'as le droit d'avoir peur, mais il y a plein d'autres façons d'agir en fait. Et je trouve que quand on change de prisme et de se rentrer dans un truc de dire en fait avant tout je le fais pour moi et parce que je pense que c'est juste, moi ça m'a beaucoup aidé à remettre en perspective en fait le combat. Alors ça c'est très très personnel, mais bizarrement en fait l'énergie en fait, elle est quand même vite rechargée parce qu'on sait qu'effectivement, c'est pour soi, pour effectivement avancer dans le chemin de la justesse, du respect du vivant, etc. Donc, c'est hyper important. Et après, il y a deux autres points qui sont effectivement l'influence sociale, l'influence systémique et le point de bascule. Le point de bascule, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a plein de chiffres qui sont annoncés, que ce soit 5, que ce soit 2, que ce soit 10, effectivement. Pour aller chercher les théoriciens qui ont bossé sur ça. Moi, je pense que c'est ça qui me tient, clairement, et qu'à un moment donné, si chacun
influence 10 personnes de son entourage et qu'à un moment donné, cette influence sociale, elle devient systémique parce qu'il y a des changements qui se mettent en place. Exemple, la banque postale qui, à un moment donné, décide de faire une trajectoire de décarbonation de son impact, de son épargne, pardon, 2030, voire 2045 pour certains placements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les petits épargnants, les plus gros épargnants qui sont dans la banque postale, vont voir leur épargne décarbonée. Et tout ça, à un moment donné, c'est... Peut-être qu'à un moment donné, le président de la banque postale a été influencé par une personne et que son influence, qui était à la base sociale, devient systémique. Donc, et tout ça amène à un point de bascule. Et je pense qu'effectivement, que ce soit dans la convergence des luttes ou autre chose, c'est ce point de bascule, c'est ce qu'on attend tous, en fait. Donc essayer de sortir du triangle de l'inaction en disant, en fait, à quoi bon, ben non, mais à quoi bon non, parce que je agis pour moi, et que si à un moment donné, demain, j'ai envie d'avoir une ferme en permaculture, ben déjà, je mangerai mieux et je serai en accord avec mon vivant, et que potentiellement, je peux sensibiliser 10 personnes parce que j'ai des ateliers sauvages, et que ces 10 personnes vont effectivement, derrière, revenir de là et dire, ben voilà, demain, je transforme mon entreprise, etc. Donc, ben, c'était ma réponse à la première question. Peut-être qu'on voit une dernière question et après... Bien, alors par rapport à votre association, ouais. J'aime beaucoup en fait l'action vivante qui est très médiatique. Mais de par ma formation, en fait, je suis pour des actions qui sont totalement violentes, mais pas du tout médiatiques. Ok. Ça s'appelle le procès. Ouais. Et donc la question c'est... est-ce que dans votre association, vous engagez des procès pour carence de l'État par rapport à votre sujet où nous avons une loi nationale de transition énergétique et de la croissance verte de 2015, de Mme Ségolène Royal, qu'on peut rapprocher de celle de M. Borloo. Qui n'est pas respectée du tout. qui ne sont pas respectées, mais effectivement... quand on creuse, effectivement, on peut avoir des actions juridiques qui mettent l'État en défaut et qui vous permettraient d'avoir des indemnisations pour son défaut, qu'on appelle la carence de l'État. Donc, est-ce que vous faites également ce genre d'action? Alors, il y a une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, effectivement. En fait, l'État, il a été condamné, ou alors je l'ai dit, je sais plus. Il a été condamné deux fois pour une action climatique. Il a été condamné une fois dans le cadre d'un procès qui s'appelle l'affaire du siècle, qui a eu lieu en 2020. Et il y a eu... Et puis il y a eu l'affaire Grande-Synthe en 2021. Grande-Synthe, c'est un village dans le nord de la France, dont le maire est Damien Carême, enfin l'ancien maire, pardon, est Damien Carême, qui est aujourd'hui un député européen chez les Verts. Et en gros, Damien Carême, il a fait ce procès parce qu'il a dit « Moi, mon village, il est au bord de la mer. Réchauffement climatique égale montée des eaux, égale plus de village, donc problème. » Et donc, pour les deux fois, en fait, l'État a été condamné pour inaction climatique. Nous, chez Dernière Rénovation, on ne porte pas d'action en justice directement contre l'État. En revanche, ce qu'on cherche à faire, dans nos stratégies, il y a des actions de perturbation. Donc qui est un moyen de pression auprès de l'État pour le faire basculer. Et il y a un autre moyen de pression qui est justement le moyen juridique, qui est de dire ben, « Nous, en fait, on accepte de s'exposer juridiquement en allant au procès. Ce qui est plaidé généralement, c'est l'état de nécessité. En fait, l'état de nécessité, c'est une notion juridique. Peut-être que vous en parlez mieux que moi, d'ailleurs. Mais c'est une notion juridique qui dit que quand une personne... en fait, ne respecte pas la loi. Pour citer un exemple très simple, en droit pénal, une personne qui est, on va dire des choses simples, qui vole un aliment, ne sera pas condamnée parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est en un état de nécessité. Donc, ce qu'on appelle une jurisprudence, une décision constante des juridictions en France, une décision constante. Vous ne serez pas condamné. Les humoristes ne sont jamais condamnés pour, en France depuis le 19e. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence. Vous n'avez aucun risque d'être. Voilà. Donc, l'état de nécessité, c'est une jurisprudence, une décision constante des tribunaux qui vont dire que, dans ce cas-là, vous ne serez pas condamné. Ouais, et en fait, sur la question du climat, en tout cas, sur ce qu'on porte nous, les trois conditions pour que l'état de nécessité soit reconnu par les tribunaux, c'est
Premièrement, que en fait, l'action qui est menée pour dénoncer le danger auquel on fait face est proportionnelle, ou en tout cas moindre que... Enfin, en gros, s'asseoir sur le périph' et bloquer la route 30 minutes, c'est beaucoup moins grave que la crise climatique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait qu'on n'ait pas d'autres moyens pour dénoncer cette problématique-là. Aujourd'hui, ben, on se rend compte que voter, ça ne sert pas à grand-chose. On se rend compte que s'il y a des pétitions, faire des marches pour le climat et tout ça, ben, ça ne sert pas non plus. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, c'est qu'il y a une notion d'urgence à agir. Et là, en l'occurrence, bah, les rapports du GIEC, il est juste formel, enfin, tous les rapports du GIEC et plein d'autres études. Donc voilà. Et donc finalement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est obtenir des victoires juridiques qu'on n'a pas encore obtenues pour le moment. On a failli en obtenir une fin d'année dernière. Mais l'objectif, c'est obtenir des victoires juridiques pour que, justement, bah, l'état de nécessité soit un jour reconnu, qu'on soit relaxé une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et que, bah, du coup, en fait... déjà, les militants, disons non-violents, soient protégés au travers de leurs actions. Et puis, d'autre part, qu'en fait, bah, l'État, du coup, il n'est plus aucune, enfin, il n'est plus d'issue et qu'ils soient contraints de mettre en place les lois et qu'ils les appliquent pour qu'on finisse pas tous complètement rôtis en 15 ans. Voilà. Merci à tous.